Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo réaction Inosbi Rebo No No. Eh ben c'est un clip, hein, une chanson que je venais de découvrir il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à un ami carrément qui adore l'artiste comme pas possible, qui m'a dit Evie, s'il faudra faire une réaction, il faudra commencer par celle de Inosbi, le jeune leader, le Molodoy leader. Molodoy, c'est carrément gène, on va dire, hein. C'est un mot russe, carrément, que l'artiste s'est approprié, ce qui est normal en fait. Non, non, c'est un clip qui a une chanson, hein, un clip qui a vu le jour, il y a de cela 6 jours maintenant, là, presque une semaine, donc voilà, et qui cumule à son actif 1 700 et quelques poussières, 1000 vues carrément sur YouTube. Et ben déjà, Inosbi, c'est que vous devriez savoir, c'est un artiste congolais qui fait de l'afro-musique, on va dire, l'afro-musique ou afro-congo, donc c'est ça, c'est on va dire, hein, son appellation... de sa musique, hein. C'est ce qu'il fait, c'est son univers. Il évolue mieux, on va dire, dans son élément carrément. Et une collaboration avec Rebo, c'est également une chanteuse, j'ai envie de dire, hein, pop, urbaine, normale, qui fait de la musique normale, on va dire aussi, hein, de la bonne musique. Jusque-là, hein, qu'ils étaient en couple, mais des sources sûres, encore faut-il que je vérifie, je ne sais pas trop. Mais sinon, le clip, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Et ben le message, je ne sais pas si c'est lequel que l'artiste a voulu passer, mais ce qui est bien est que c'est une chanson normale, assez agréable, et surtout le clip est bien, alors bien travaillé, les décors dans le clip, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est l'acting, le changement de décor, la chorégraphie, le fait de bouger d'une manière nonchalante apporte quelque chose de bien, de frais, on va dire, au clip. Donc voilà, réalisé bien sûr par HB, c'est son grand frère, d'après ce qu'on me dira. Et ben je vérifierai mieux, alors mieux, de sources sûres, hein, pour que je vous revienne dans une nouvelle vidéo avec beaucoup plus d'éléments assez sûrs, assez qualifiés. Donc voilà quoi. Et ben à savoir que le style, hein, se rapproche un peu plus, hein, à celui nigérien. Ce qui est bien est que l'artiste évolue très très bien, alors très bien. D'une, déjà, il y a tellement de jeunes en herbe qui différencient à lui, hein, pour pouvoir mieux s'en sortir, repéré par Vodacom Superstar à l'époque avec Akon, bien sûr, hein, qui a produit ses télécrochets pour dénicher la perle rare. Et lui était la perle rare, carrément, qui fait honneur à la musique congolaise en particulier et à la musique africaine en général. Inosbi, c'est déjà une personnalité, j'ai envie de dire, hein, au Congo et partout ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec son style, hein, afro-congo, à exporter la musique congolaise, bien sûr. Il est passé par de titres à succès tels que Mémé, tels que Yopé, tels que Hollandi, que sais-je encore, j'en passe, et de meilleur. C'est un artiste qui fait parler de lui positivement, combien même il aurait, on va dire, hein, un léger clash entre lui et son aîné Fally Ipupa. Ce qui est bien est que ses collaborations sont normales et il arrive en même temps à se mélanger à différents styles et sur quoi à produire la bonne musique, ce qui est important. D'ailleurs, sa fameuse collaboration qui m'a beaucoup plus plu, c'était avec l'artiste Damso. C'est d'ailleurs grâce à Damso, par le truchement de Damso, que j'ai pu nécessairement auditionner normal l'artiste. Et au jour d'aujourd'hui, en me demandant carrément de faire un petit une petite réaction, je me suis dit avec plaisir carrément. Pourquoi? Parce que l'artiste mérite réellement, alors réellement, d'être vulgarisé, d'être exporté carrément, pour c'est un travail bien fait qu'il réalise. Rebo, c'est une artiste congolaise, bien sûr, hein, chanteuse urbaine, j'ai envie de dire, hein. Et ben autrefois elle voulait sous les ailes, on va dire, hein, de Ferregola. Ferregola a été son producteur, mais au jour d'aujourd'hui on me dira que
Voilà quoi, il y a eu un départ carrément de ses labels Ferrego. Là, au jour d'aujourd'hui, elle évolue seule ou sinon avec son petit ami Inos B. Je vous incite carrément à aller liker, partager le clip, à consommer également sur différentes plateformes des téléchargements normales. Donc voilà, dites-moi, sinon j'apprécie bien carrément le clip. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis ce sera quelque chose de bien. Donc voilà. Inos B, non, non, c'est normal. Je ne suis pas fatigué. Vous, si, moi, non. Allez, portez-vous bien. On se donne rendez-vous plus tard. Ciao.